La place Jeanne d'Arc à Beach ressemblera bientôt à ceci. Un espace partagé où la priorité sera donnée aux piétons et non plus aux automobilistes. Et l'idée, c'est d'en faire quelque chose de voilà, quelque chose d'utile. C'est voilà, faire vraiment cette place, la place d'armes, la partie mise en valeur du glacier en lui-même jusqu'au pied de l'église, et ainsi que d'intégrer dedans une partie un peu plus conviviale, c'est-à-dire au niveau de la fontaine sèche, de donner un peu d'animation autre que des véhicules. Le bureau d'études, M2I, est venu présenter la phase 1 du projet au Beachois. Un projet ambitieux à 3,6 millions d'euros pour la ville, dont la place Jeanne d'Arc est le pilier central. En effet, les phases suivantes englobent les autres artères du centre-ville. L'objectif, c'est de redonner de l'attractivité à la ville-centre, au centre-bourg, et de permettre aussi de combler cette vacance commerciale, d'attirer de nouvelles populations et de gagner, on va le dire aussi, de manière qualitative et en reprise démographique. Un cadre de vie amélioré avec l'utilisation de matériaux locaux pour s'harmoniser avec ceux déjà existants, mais aussi une nouvelle manière de circuler. Il faut maintenant lancer la phase de consultation des entreprises pour des travaux qui pourraient démarrer dès le mois de juillet 2022.